matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble sous le thème « Moi, je vous ai choisi » dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Merci d'être là fidèlement connecté. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Alors, on démarre avec cette merveilleuse chanson « God so loved »,« Dieu a tant aimé ». Très, très belle chanson. Petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va, ensemble. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés, vienne à la source qui ne tarit pas. Venez goûter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, quand sa demeure, ils trouvent leur place. Venez trouver ce que vous recherchez. Aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laissent leurs liens au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées, mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Jamais sont brisés, mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. 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 Le thème du jour, moi je vous ai choisi. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, vous voulez porter beaucoup de fruits et vous désirez avoir une vie fructueuse? Eh bien, ça commence avec la bonne attitude. Et celle-ci sera contagieuse. Moi, je veux vous encourager. Je veux vous encourager, justement, et à aller de l'avant. En fait, si vous lisez le chapitre 15 de l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il faut être connecté à la source. Vous verrez ça à partir du verset 1. Alors, pourquoi? Pour voir des réactions positives et porter du fruit. Vous savez, un bon ami me répétait souvent, Dieu ne nous a jamais demandé d'être hyper occupé, mais de porter du fruit. Alors, c'est à méditer, n'est-ce pas? Vous serez d'accord que vous et moi devons être persévérants dans la réalisation des visions que Dieu a placées en chacun de nous. Évidemment, notre texte de ce matin,
challenge, lance un défi à notre foi, c'est-à-dire que les personnes déterminées à suivre cette voie de la foi vont persévérer dans leur démarche et n'accepteront jamais un non comme réponse à la vision que Dieu leur a donnée. Le docteur Jerry Hulse disait ceci: « Saviez-vous que de nombreuses personnes essaient aujourd'hui de revivre leur vie passée et que si elles vivent dans leur passé, elles ne peuvent pas vivre et réaliser leur avenir. Lorsque nous appliquons la vision à notre avenir, nous pouvons créer une image mentale par le biais de notre imagination qui peut être utilisée pour diriger nos actions afin d'accomplir notre mission. Car, dit-il, car bien aimé, nous visualisons le but par le biais de notre vision. Notre vision sert de guide et de motivateur pour nous montrer notre but. » Alors, intéressant ce que vient de dire M. Hulse. Alors, selon la définition du dictionnaire Webster concernant la vision, nous pouvons reconnaître que la vision donne une direction pour atteindre nos objectifs dans la vie, ce qui nous permet d'atteindre notre but. Une fois que nous avons découvert notre but, nous pouvons travailler à compléter et à réaliser notre vision. Avec le temps, nous devons arriver à un point où nous commençons à voir les choses de la manière dont Dieu les voit. Alors comprenons que oui, l'ennemi de notre âme va revenir continuellement à la charge pour déranger le plan de Dieu pour notre vie, mais cela n'empêchera pas le plan de s'accomplir si nous laissons Dieu être Dieu. Alors saisissons que Dieu a soigneusement pris le temps de planifier à l'avance chaque partie de notre vie et rappelons-nous qu'il nous a choisis et établis afin que nous allions et que nous portions un fruit qui demeure. Le mot « demeure » dans le grec, c'est le mot « meno », qui veut dire « afin que nous continuer à être, ne pas périr, durer, endurer ». Alors aujourd'hui, vous et moi, saisissons cette vie fructueuse que Dieu a pour nous. Saisissons-la, parce que Jésus nous a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Quel privilège nous avons d'avoir été choisi et établi afin d'aller porter du fruit. Alors, on va prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Pour Cyril, nous prions, qui souffre de mal de dos depuis un an. Merci de le guérir complètement, de le restaurer de ce malaise au dos qui le fait souffrir. Nous prions pour Virginie afin qu'elle fasse les bons choix pour sa vie professionnelle. Nous prions pour Marianne et François pour entreprendre pour leur couple. Nous prions pour Stéphanie qui a des problèmes de boulimie et une vie, une relation toxique. Seigneur, merci d'entreprendre pour Stéphanie surnaturellement. Prions pour Janine qui a le Parkinson et qui tremble beaucoup, de la guérir complètement. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps. Nous prions pour Anne, pour la guérison de ses ulcères et de ses plaies aux chevilles. Guéris-la complètement, Seigneur. Merci. Pour Ghislaine, nous prions, alors qu'elle a fait un AVC, que ta bénédiction soit, Seigneur. Pour Ghislaine, pardon, qui a fait un AVC. Alors, merci de le guérir complètement et que ta main soit sur son épouse Carole également, afin de lui donner la paix. Nous prions pour Mathieu, 15 ans, afin qu'il se tourne vers toi. Nous prions pour Patricia, qui a des conflits familiaux. Merci de poser ta main pour une réconciliation. Nous prions pour Baptiste, qui est en prison. Seigneur, merci de te révéler à lui surnaturellement. Touche-le de la tête aux pieds, là où il est, maintenant. Prions pour Augustine, qui fait de la polyarthrite rhumatoïde, qui la fait beaucoup souffrir. Seigneur, guéris-la, restaure-la complètement. Nous prions pour Sioux, afin qu'elle devienne enceinte cette année, en 2023. Merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque matin. Merci, Seigneur, d'accompagner mes frères et sœurs ce matin, tout au long de cette journée, et que ta bénédiction les accompagne dans ton puissant nom. Amen. Car Dieu est ton...
mais chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Oui, ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.